Alors, juste le temps de vérifier. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va poursuivre le Let's Play Ghost of Tsushima. Je vais juste vérifier que j'ai bien un retour son. On va définir le chat. Non, non. Yep. Est-ce que ça fonctionne? On est bien en live. Alors, je vais redémarrer l'application parce que apparemment, je vois pas si on est en live ou pas. Oui, 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 on est en live, c'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va se faire une nouvelle petite session d'une petite heure et demie sur Ghost of Tsushima. On va reprendre là où on s'était arrêté. Je vous rappelle qu'on joue à la version Director's Cut sur PS5 et qu'on en était exactement ici. Donc, voilà. Donc, juste le temps de reprendre un peu caresser. Voilà. C'est cool ça. Voilà, on va commencer par un peu d'amour dans ce live. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Alors, j'ai un retour, j'ai un souci avec mon application Twitch qui galère un peu. Donc, mettre en direct, j'ai toujours un petit décalage, donc je verrai vos messages avec un petit décalage. Voilà, donc on va suivre Jean et on va essayer de faire des choses sympathiques. Alors je sais plus si ça m'avait gardé le petit bilou là qu'on avait ramassé. Je suppose que oui. Oh pardon. Ok. Donc on va utiliser. Voilà. Donc, on avait fait une première mission et aujourd'hui, le Terry du Renard, c'est bon. D'accord, j'ai absolument pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, voilà, j'ai le chien qui fout le bordel à côté. Oui, comme d'habitude, hein, vous avez pris l'habitude maintenant. Il est toujours avec nous. Alors, le village des pêcheurs, on l'a fait. Territoire mongol, ah, d'accord. Osminaire de la légende, d'accord. Donc pour l'instant, on va aller découvrir ce lieu. On a des choses là à faire. Ah, on va peut-être faire. Est-ce que le voyage de Jean, ça fait partie de l'acte 1? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille au petit point rouge là en territoire mongol? Auberge relais du voyageur. Osse mineur de la légende. Et c'est tout droit. Alors, donc le sens du vent, par là-bas. Ah oui, alors attends, il faut que je reprenne le jeu en main. Parce que du coup, j'ai pas touché à plus de minutes. Voilà, j'étais en train de me demander comment on ratait le canasson. Et ce n'est pas croix pour monter, mais R2. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Donc. On avait fait la toute première mission, on avait libéré un pêcheur, je crois. Qu'est-ce que c'est? Oh là, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Oh là, attention, ils ont l'air méchants. Alors, j'ai plus du tout le jeu en main. Hop. D'accord. Ok, bon, on est mort direct. Ah, c'est le temps de reprendre le jeu en main. Je l'avais pas du tout, là. Ils sont où les deux, les trois blaireaux là? Ils sont partis? Ah bah non! Ma vengeance! Ma vengeance! Ah bah non! Oh là là, on peut même pas se venger! J'y crois pas. En plus, je crois qu'ils ont zigouillé les deux dames, hein. Donc, bah, les décider. Sûrement. Bon, bah, on peut pas y faire grand chose, tant pis. Hein. Hop. Donc il faut pas que j'oublie donc c'est carré, ça et ça c'est l'esquive. Ok. Ouais, faut que je me remette dedans parce que là c'est. Je viens. On commence à peine et je meurs direct. Alors, ça augure que du bonheur. Hein.
pour les pêcheurs. On va leur parler. Okay. Alors, où est-ce qu'on en est? Oh, on n'était même pas à la moitié du truc. Je me suis fait trucider. Mais littéralement trucider. Alors. Okay. Ah, là il y a une petite dame qui veut nous parler. Comment on parle déjà aux gens? Herbe. Voilà. Et bienvenue à tous, bonsoir à tous, merci d'être là en ce petit samedi soir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont soit sur Elden Ring, soit en train de regarder de l'Elden Ring, donc je vous remercie encore plus d'être là. Carte mise à jour, alors... D'accord, donc elle nous indique clairement qu'il faut aller sécher les Mongols. Ok. Du coup, on avait dit le cheval, c'est la flèche du côté. Je reprends le jeu en main parce que on a fait du Toki mercredi, hein, comme vous le savez. On fera sûrement un jeu PC mercredi prochain qui tourne pas mal en ce moment, mais je vous en dirai un petit peu plus un petit peu plus tard. Alors là, je vois un petit tourbillon, ça veut peut-être vouloir dire qu'on va pouvoir pêcher, je suppose. Non ? Il y a un petit tourbillon. Bon. Peut-être qu'on va pouvoir pêcher à un moment. Qui sera, comme dit le poète. Alors, on a du matos. On va pas oublier de prendre le matos. Là, il y avait une petite cabane. On va quand même aller vérifier qu'il n'y a rien. Qu'il y a quelque chose. Il y a l'air d'y avoir que. Ok, on va continuer le long de la rivière. Vous avez remarqué, hein, on a commencé, boum, Epic File direct. Je vois pas vos messages, hein. Du coup je sais pas si s'il y en a ou pas. Pour l'instant, j'ai rien qui s'affiche. Démarrage un peu compliqué. Alors, on a atteint le lieu suivi. Confrontation? Ah ouais? Mais est-ce qu'il y a une confrontation? Voilà. Bonjour. Ah, bon. Faut pas que je me gourre, hein. C'était triangle, hein. Putain, je vais me planter direct. Et voilà. C'est terminé pour toi. Alors, il y a un Maus. On va le sécher. Hein. Voilà. C'est ça, oublie mammouth. Hop. Ah. Yop là. Ah. Ah ouais, d'accord. Donc lui, quoi qu'on fasse, il nous défend. Wow. Oh là là, sans le ciblage, c'est l'enfer! Provision. Hop. Ah ouais, sans le ciblage, c'est violent quand même. Hein. Mais on avait dit qu'on le ferait sans, donc il n'y a pas de raison qu'on continue comme ça. Alors, apparemment, il y a des messages, mais je les vois pas. Alors, je vais relancer l'appli. Tac. L'appli, elle merdouille un peu ce soir. Hein. Voilà, je viens de relancer l'appli, on verra. Désolé Jérémy, j'ai vu que t'avais essayé d'animer le chat, mais malheureusement, j'ai absolument rien en fait qui s'est affiché depuis 5 minutes. Donc, voilà. Je viens de relancer l'application, peut-être que ça va fonctionner, je ne sais pas. Sinon je fonctionnerai à l'aveugle, tant pis. J'ai pas l'impression que ce soir on aura quelque chose qui fonctionne. Voilà.
Bon. Toujours pas. J'ai toujours pas vos messages. Hein. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Hein. On va faire avec. Désolé, mais j'ai absolument pas vos messages ce soir. Donc, je sais pas pourquoi l'application est... elle a merdé au départ. Et puis. Tsui! Et voilà. Tu as failli. Du coup, quelle était la mission en fait? On est venu ici pour tabasser du mongol, mais je suis pas sûr qu'on ait grand chose. Battez les mongols. Bon, on en a tué quelques-uns déjà. Il y en a encore un là-bas, c'est ça? Ah non, il est décédé lui. Pas décédé? Si. Il y avait des provisions. Ok. Ah, faut peut-être rentrer dans la maison. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Chop, hop, hop. Chop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a une personne là. On va pas aller la voir tout de suite. Tout s'il faut. Ah, merde. Bon, ouais, elle est partie. Ok. Allez. Pour tous ceux qui nous rejoignent là, j'ai un souci, je vois pas le chat. Donc, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Mais il y a Jérémy depuis tout à l'heure qui essaye de me dire plein de trucs, sûrement. Et merci à toi, comme d'habitude. Hein. Mais là, alors, là, ta. Il y a pas un truc là? Non, il y a rien. Ok, bon. La mission, c'était. Journal. Ok. Un endroit à soi. Ouais. Parler à l'homme dans le besoin. Ah ben voilà. Ça va être plus simple déjà comme ça. 850 mètres. Et comme d'habitude, faut sûrement suivre le bruit du vent. Faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas des ressources à récupérer. Ah, confrontation. Oh. Ouzoui! Je ne sais pas encore. Alors, le mec à la lance. Ah, je me suis trompé de couteau! Quelle horreur! Quoi la parade déjà? Hop! Je n'ai plus la parade. Oh là là! Oh là là! Ils sont arrivés en masse là! Ah bah ouais, hop, ils m'ont décédé. Bon, ça m'agace, j'ai pas vos messages et du coup je peux pas voir ce que vous me racontez, du coup je suis pas dedans et ça me plaît pas des masses. Du coup je fais n'importe quoi, j'essaye de voir si ça marche, au final ça marche pas et ça me saoule. Hop! Bienvenue dans le chat, ouais, bah, bienvenue dans le chat, faudrait qu'il fonctionne encore. Bon, on y retourne. Allez. Là en fait je me suis un peu emmêlé les saucisses entre la parade. J'ai essayé de faire des parades alors que c'est pas du tout mon truc. Donc, on va voir. Allez, on va réessayer les parades. Samouraï Dotsukui. On va essayer de vite le tuer lui parce que après ils sont petits. Voilà. Après ils sont un petit nombre donc non mais ce soir j'aurai pas de chat. Je sais pas comment ça se fait mais bon. J'ai l'appli ce soir qui a décidé de pas me foutre de chat. Tant pis. En plus j'ai pas d'autre moyen de le voir. D'habitude je vois vos messages s'afficher ce soir apparemment. C'est bon. Oui. Et ouais Bobby. Jin. Alors. Jin, tu dois pas tuer.
Je vois bien le retour, mais je vois pas vos messages. Ah, ça, ça va m'énerver, ça. Le mec, il justifie. Il mange deux fois, déjà. Ouais. Ouais, on va les prendre un par un. Sinon, ça va être compliqué. C'est R1, là, par un. Cela, ça va, ça se gère. Voilà. Cela, ça se gère. Par contre, le gros en armure là tout à l'heure, il m'a fait. Il m'a un peu surpris quand même. C'est qui ça, ça? Ah, il m'a vu? Ah, d'accord. Oh putain de merde. Eh, c'est le moment de fuir. Genre, c'est le moment de prendre une photo. Jean, il est à l'ouest, hein, les gars. Si le mec il pense que là c'est le moment de prendre une photo, c'est que t'es à l'ouest très très loin. Allez, venez vous battre, on te lâche. Y'a, toi. Hop 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 le machin, hop 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 hop. Toi t'as l'air vénère toi. Voilà, aide. Hop, on va les prendre un par un. Comme ça au moins. Ah, amène ta gueule toi, t'avances. Voilà. Hop. Tiens, toi c'est cadeau. Tiens, toi. Et voilà. Ah si, ça y est. Ça y est, j'ai vos messages. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour Ghost of Tsushima. J'espère que vous êtes arrivés en retard. Comme ça, vous m'avez pas vu me foirer comme une merde sur le tout premier combat qu'on a fait. Mais du coup, on est reparti pour les aventures de Jean dans l'univers de Ghost of Tsushima. Ah si, ça y est. Comme quoi, il n'y a pas besoin de lock. Ah, j'avoue qu'avec un lock, je me serais un peu moins stressé. Mais après, voilà. On m'a dit c'est dans les options. Mais de ce que j'ai compris, si on te le met pas, c'est que c'est pas censé être là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. J'ai envie de faire le jeu, alors, je ne veux pas dire normalement, mais sans assistance, on va dire. Et la preuve, je suis déjà mort deux fois. Voilà. Non, je vais essayer de le faire sans. Bon, je pense que quand ça va être très très compliqué à ce moment-là, on avisera, mais pour l'instant, voilà. Bon, de toute façon, on est mort, hein. Bon, voilà quoi. À mon avis, c'est pas la première et c'est sûrement pas la dernière. Donc, on a tué du coup le chef. Moi, je suis en train de faire un petit tour, voir si je vais pas laisser traîner des trucs. Et on va aller chercher notre récompense. Tu auras ta récompense, hein. Ah non, bah non, c'est gentil. Ah. Ah, voilà. Le duel. C'est l'heure du duel. Carte sabre. Et voilà. Et non. Alors. Donc c'est R, c'est celui-là, la parade. Ok. On va essayer de faire des parades pour voir. Voilà, comme ça. Souris. Et voilà. Et voilà, dans ta gueule. Oh merde. Non, je prends pas son kukai. Ah non, ah la distance. Ah, je gère pas la distance. Voilà. Ah, c'est violent la distance. Derrière l'arbre, ça marche pas, un trou de balle. Tiens. Et celui-là, c'est pour maman. Voilà. Non mais, pas le freiner. Ah, soigner un coup. Allez, Bobby. Allez, Bobby. Les excuses que tu trouves, mais évidemment, je suis d'une mauvaise foi incommensurable, hein. Je vous le cache pas, hein. Moi j'ai toujours dit que j'étais de mauvaise foi. Hop. Y'a pas un coffre là? C'est pas une bobette ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec les bobettes? Ah, récupérer. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la bobette? Tu
tu peux dévier les tirs de flèche avec ton sabre. Je pense que sûrement comme on fait pour bloquer le coup de sabre en fait. Allez, c'est parti. Il est où l'air du vent là? Non, arrête de vouloir faire les photos. Je sais plus parce qu'il y a moyen d'activer le vent en fait. J'ai pas fait le jeu. J'ai pas l'impression d'aller dans le bon sens en fait. Ah. D'accord, du coup quand c'est terminé, on n'a pas besoin d'y retourner. On a eu la récompense au moins. C'est chiadé quand même. Et mon cadeau? Il est où mon cadeau? Il n'y a pas de cadeau? Il n'y a pas de cadeau. Ça j'aime pas trop bien beaucoup ça quand il n'y a pas de cadeau. Allez, défonce tout à la parade. Écoute, c'est quoi? On va essayer. On va essayer de faire à la parade. Allez, on se lance un challenge. Il y a des gens qui jouent à Elden Ring, et ben moi je vais jouer à la parade. C'est ridicule. Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Ah, à quoi ça sert ça déjà? D'accord. Ok. Il y a un espèce de gnou. Vous avez atteint le mieux suivi. Ah, ben voilà, il y a une sorte de petit village. Ok. Tu peux te relever en fait? Voilà. En chantier, madame. Madame, monsieur. Est-ce qu'on peut shipper les provisions sans se faire insulter? Ah bah, pardon. Cool. Exactement. Comme ça, après, tu joues Elden Ring. Non, je t'ai déjà dit, c'est non. C'est absolument hors de question. Je ne joue pas Elden Ring. En tout cas, pas tout de suite. Je dis pas jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais Elden Ring, pour moi, je pense que c'est pas vraiment tout de suite. Ah, un marchand! Un marchand? Super. Si, si, on en discutera. Oui, discuter, on va en discuter, ça c'est pas la question. Mais je pense pas qu'on fera Elden Ring avant une bonne grosse année. Voilà, donc on a rencontré le premier marchand. Tenue de voyageur. Ok. Alors, kit de sabre. Quantité insuffisante. Quantité insuffisante. Mais quantité de quoi? C'est toujours les espèces de petits nénuphars là, c'est ça? Ok. Teinture d'armure. Quantité insuffisante. D'accord. Continue à explorer Tsushima. D'accord. Les coiffes. Ok. Quantité insuffisante. D'accord. Des fleurs. Ok. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Le vent directeur permet de vous mener à de nouveaux lieux. D'accord. Bah, fais-toi plaisir. Ah. Fleurs à découvrir. Voilà. Où est-ce qu'il y a des fleurs? Où est-ce que tu as vu des fleurs? Donc la cape va par là-bas. Voilà. Donc on va suivre le vent. On va parler au petit monsieur aussi, parce qu'apparemment il a quelque chose à nous dire. Le bambou, les fleurs, les provisions. C'est pour ça qu'il faut tout ramasser. Ok, ok, ok. Vous le trouvez à Kashin. C'est là où on va découvrir l'école, Kashin. Non, pour l'instant, je voudrais découvrir... On peut pas sauter, là, quand même. C'est un peu dangereux. Dis donc, le vent. T'essaierais pas de me buter, toi aussi? On serait encore dans un de ces jeux où tout essaye de te tuer, c'est ça? C'est pas très chantil. Alors, du coup... Des fleurs... Donc ça, c'est du bambou, je suppose. Ouais. Alors, attends. Il souffle comment, le vent? Je vois plus. Bon. C'est pas... Non, c'est pas comme ça qu'on fait le vent. Instant figé, d'accord. Ah, une fleur. Voilà. Waouh, on a trouvé une fleur. Ah, attends, le vent, il souffle par là. Par là. Ok. Je vais pas farmer les objets. Hein. Ça, je le ferai peut-être en off, mais... Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau du coup? Alors là, on a un feu de camp. Alors, on nous a indiqué des petits par-delà l'honneur, os mineur de la légende. D'accord, là il y a un petit village. Là, c'est le scénario, si j'ai bien compris.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, par-delà l'honneur. Inspecter les lieux à 1 km. Ben voilà, on va faire ça. Allez. 1 km. Le vent souffle par là-bas. D'accord. Le vent souffle par là. Ah. Ça, ça veut sûrement dire qu'il faut grimper là. Allez. Mais grimpe, feignant. Très Saint-Saint-Scridesque, ce qu'on est en train de faire. Ah, il y a un truc là. Ah ouais, c'était pour redescendre. Ah, la fausse joie de se dire il y a un item, et en fait tu en as pas. Eh, c'est Spider-Man en fait. Alors, par où souffle le vent? D'accord, par là-bas. J'ai un peu de mal encore à suivre l'air du vent. Ah oui, tu swipes. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais quand je vous dis, hein, moi ça fait une semaine que j'y ai pas touché, c'est mort. Hein. Il me faut bien une petite demi-heure pour me remettre dedans. Hein. Du coup, là je suis en train de tout faire à pince alors. On est censé avoir un bourrin pour faire ça. Un bourrin prévu en plus. Pareil. Allez, c'est parti. Donc le vent souffle par là. Oh, il y a quelqu'un de décédé là. Eh monsieur, t'es décédé? Ah oui. Pas très poli les gens décédés comme. Donc on est dans la forêt de Kashyyyk. Ok. Donc, je sais pas trop ce que je dois faire. Je vais descendre et je vais explorer à pied. Des fleurs! Ah! Voilà une bonne nouvelle! Vous avez l'air tous d'accord pour dire que ce serait l'Assassin's Creed au Japon. Eh ben écoutez, c'est un ours ça. On va se taper les ours à main nue ou... Comment ça se passe pour... Ah non, c'est pas un ours. C'est un ours. Si, c'est un ours. Hop là. On dirait un Chewbacca. Wow. Ah ouais, d'accord. Oh, bah, oh, reste tranquille le nounours. Putain, il m'a mis une tarte. Hop là! Le nounours, je peux le bloquer, je peux le parader ou pas? Parce que ça, c'est best entraînement ever! Hein. Hop là! Ah! Allez, descendre de lit, mon gars! Allez, couchez l'ours! Voilà, couchez le nounours! C'est qui le patron? C'est moi! En fait, j'ai eu un peu peur de l'ours, mais ça s'est bien passé. Hop là. Bandou, bande-toi. Ah, bande-toi. Oui, bande-toi. Bande-toi. Bande-toi, madame. C'est Booba, un petit ourson. Booba. Booba. Ah, on peut ouvrir les portes. Ah, ça c'est cool. On peut rentrer chez les gens. Comme dans tout Zelda qui se respecte, et on peut tout péter à l'intérieur. Non, c'est pas. Non, on casse pas la maison des gens. Ça ne se fait pas. Ben, il y a plein de gens. Alors, on va swipe pour voir où est le vent. Non, arrête de t'allonger. Ça fait très Miley quand même. Hein. Le mec est tout le temps couché. Quoi. Oh. Alors, donc le vent il va par là-bas. Okay. Ça veut dire que je peux zigouiller le buffle là, par exemple. C'est ça? Oh là 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 là. C'est un carnage hein, le buffle. Mais ce qu'il m'aime plus, tu sais. Même lui, il a compris que c'était pas la peine. On peut pas le buter. Meurs pas. Ah,
Est-ce que ça vous plaît de regarder un mec se battre contre un buffle immortel et en plus de le louper à chaque fois? Parce que là, j'arrive pas à le tuer. Il est immortel, ce machin. Lâche pas un peu de viande. D'accord. Donc je suppose qu'on peut pas zigouiller le bœuf. Bon, tant pis. C'est dommage. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut même pas tuer un bœuf. Qui vole un œuf, tue un bœuf. Les camis viendront en retraite. D'accord. On dit qu'un objet béni par les Kami peut changer le destin d'un homme. Un coup de main serait le bienvenu. Ah bah ouais, carrément. Alors, on suppose qu'il faut aller par là. Des provisions, des fleurs. Des fleurs. Oh, oh là 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 là, toutes ces fleurs. Arrête de te foutre accroupite. Allez, c'est parti, on continue. On avance. On va avancer avec le cheval parce que sinon on va pas faire grand chose dans une heure et demie à chaque fois. Hop là, c'est parti. En avant, petit canasson. Allez, Jolly Jumper. On y va. Pataclop. Je vais vous poser une petite question, j'en profite. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son du jeu est pas trop fort par rapport? Parce que, contrairement à certains jeux qu'on a fait dans la semaine, celui-là, on peut baisser le son du jeu. Donc, dites-moi juste si on m'entend bien. J'ai rapproché un peu plus le micro, comme ça au moins je sais que. Alors, il y a l'air d'avoir un truc là. C'est des chevaux? Des chevaux. Non, c'est bien là. Ok, nickel. Merci beaucoup à vous tous. Non, arrête de passer en mode furtif là, toutes les 3 secondes, ça ne sert absolument à rien. Alors, 70 mètres? Mais pourtant je suis toujours en train de suivre le vent. Pourquoi je m'éloigne? Hein? Je suis bourré ou? Quoi? D'accord. J'ai un peu de mal encore avec le sens du vent, tout ça. C'est Pocahontas, ça me perturbe. Alors, tac. D'accord, il est là, vieux man. Vieux man. Bonjour, vieux man. Je suis ici pour vous sauver. Autochtone. D'accord. Je vais d'abord faire le tour de la baraque, voir s'il n'y a pas des trucs à gratter. Et ensuite, on va aller parler à l'autochtone. Mélange pas tout. Le vent sert à te guider. Mais une fois sur place, c'est à toi de trouver. Ouais, vous chipotez quand même. Joignez-vous à nous pour le dîner. Oh, une bouffe gratuite? Avec plaisir. Ah, j'ai oublié un truc à côté du puits. Enfin, pas que j'oublie en partant. Par-delà, l'honneur. Je rentre d'une mission périlleuse, ne vous inquiétez pas, je suis indemne. Ah ! Il a fait l'air bien vénère avant de rentrer, lui. Ah, donc c'est un rescapé de comme nous. D'accord. Ah, le bain! On va pouvoir se tremper le fion! Alors, elle est partie où elle? Elle est partie tellement vite! Suivez Nabé jusqu'au bain, mais elle est partie où? Tu sais même pas vu partir! Je suppose qu'il faut sortir de là. On peut une porte ça. D'accord. Elle est où Jacqueline? Elle est sortie par où Georgette? Ah bah elle est là.
Ah là là, non, c'est l'enfer ça, quand tu peux pas courir, t'es obligé de suivre. Hop là. Ah non, être obligé de suivre les personnages en marchant à deux à l'heure parce qu'ils ont plein de trucs à te raconter. Ah, ça se roule ou pas? Ouais, c'est ça, t'as raison. Hop, la provision. Ah, donc je suppose que c'est là. Un peu de cuir. C'est là, Alba? C'est pas là, Alba. Inspecter les écuries. 30 mètres. Ok, donc les écuries. Et merde, c'est où? Alors, la nana, elle me dit va au bain. Et après, elle me dit, oh non, en fait, le bain, c'est pourri. Les écuries, c'est là. J'y étais tout à l'heure, non? Examiner. Équipement standard, rien qui ne sort de l'ordinaire. Non, mais moi, j'ai pas envie de roleplayiser. Hein. Moi, j'ai envie de jouer. Hein. Un cheval de ferme, pas un cheval de guerre. Non, moi, j'ai envie de tabasser j'ai envie de casser des clavicules, de faire gicler le sang. Voilà. Wow. Inspecter les écuries. J'ai fait le tour, là, déjà, non? Peut-être se mettre en mode inspection, peut-être? Il y a moyen de... Ah, il y a un truc là-bas. Allez. Voilà. Je reconnais cette scène. Elle appartient au Seigneur. Je ne pas un samouraï. Je lui ferai avouer la vérité. C'est un traître. Oh. Attends. Toi et moi, nous allons combattre. Dis donc, trou de balle. Il est où? Ah bah tu m'étonnes. Je le trouverai. Traquer Jinkoku. Jinroku. Jinroku. C'est parti où? C'est parti où, Bobby? Bah, il est forcément allé rechercher son cheval. Mais ouais, mais le roleplay, on s'en fout. Pas là pour ça. Je suis pas là pour coller des gommettes. Retourner dans la zone de recherche. D'accord, donc en fait, il est pas du tout par là. Donc il faut que je le trouve par là. Ok. J'ai la manette qui vibrette. D'accord, c'est pas par là non plus. Donc... Hop. Oh, j'ai du ling. Il est parti où, Jean-Marc? Il est parti où? Alors, il est parti apparemment. Ouais, ça vibre, donc il doit être dans les parages. Sérieusement? Ah bah il est là. Allez, on va arriver en fourbe. Eh, hey, t'enfuis pas, je t'ai dit, faut qu'on parle. Il faut le rattraper ou... Parce que sinon j'appelle le cheval, hein. C'est rapide. Hein. Et il va nous faire quoi jusqu'où, Vili? Ce truc absolument inutile quand même. Oh là là là. Course de là. Quoi? Je t'ai dit, faut qu'on parle. Oh, mais oh! Je vous défie en duel. Allez, c'est parti. C'est parti, moi je te chasse direct. On fait un truc à triangle, c'est ça? Duel à Lansen de Kofi. Prépare-toi. En garde. Tu as la main qui tremble. Moi pas. Fou. Mata. Shinitaku ne. Kousan da. Subarakatta.
Non mais non, mais moi je voulais faire la bagarre. Moi je voulais faire la bagarre. Hein, tu voulais faire la bagarre, après tu vas te faire tuer. Après tu vas rager. Ouais, c'est un peu ça. Globalement, c'est ça. Donc c'était un imposteur. Ok. Et on peut pas le tuer. Oh, mais ça c'est dommage. Laissez l'imposteur partir. Non. Il doit mourir. Tu dois mourir. Ouais, d'accord. C'est... Je l'aurais bien tué, moi, perso. Je sais pas pour vous. Moi, perso, je l'aurais tué. Ouais. Bon, retournons au village. Retournez à la ferme. Voilà. Oh, la ferme! Oui, l'exploitation agricole, oui. Maintenir pour ouvrir. Pourquoi il y a quoi derrière? On fout déjà le bordel. Ok. En fait, le truc à ramasser était à côté. Retourner à la ferme. Alors, la ferme, apparemment, c'est par là-bas. Hein. Je me suis encore perdu, quoi. Comme d'hab. Oui, c'est ça, je me suis encore Ah, faut que j'aille me décrasser le cul dans l'onsen. Pourquoi pas. Ah, j'ai encore un peu de mal. J'ai mes vieux réflexes Dynasty Warrioresque à monter sur le cheval avec croix, et du coup j'avoue j'ai un peu de mal. Donc le vent il souffle par là-bas. Okay. Ah mais non, vous m'avez dit fallait que j'aille me tremper le cucu. Comment on fait pour aller tremper cucu? Ah, c'est là. Augmentation mineure de la santé. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est là-haut. Hop. Je pense que c'est par là-bas. Sur ce chaud de la montagne. Ouais, ça doit être le gros truc qui fume là-haut. On va au NEM qui fume. Allez, c'est parti. Au NEM qui fume. Hop. Un peu de bambou. Oui. Ok, le mec fait rien comme tout le monde. Je suppose que c'était pas du tout comme ça qu'il faut rentrer dans le pain. Le mec il y va tout habillé. Oh là, c'est goldé. Oh là là, la petite paire de seuf. C'est goldé. Réflexion sur. Alors ton père, on l'a jamais vu encore. Ça change quelque chose. Si choisi, est-ce que ça va faire progresser plus ou moins, ou de toute façon on aura tout à la fin. N'empêche, c'est goldé la paire de fesses de jean comme ça. Au KLM, tu t'y attends pas, le mec il se voit à Wall direct. Crac. Tu décides. Bah écoute, mon père, on en a pas du tout parlé. Donc on a choisi l'oncle. Parce que le daron, c'est pas qu'on l'a pas encore vu, mais il me semble pas qu'on en parle en fait pour l'instant. On a vu ton oncle, mais on n'a pas trop vu le père encore. Oh! Détente maximale. Oh là là, le retournement de caméra! Ah bah, hey, c'est pas 18 plus, hein! Fallait pas rêver, hein! Mesdames qui regardaient ce stream, désolé! Vous avez vu juste la paire de miches. Voilà. Pas plus. Hop. Yop. Yop. Et hop. Voilà. Tu l'as vu mourir. Ah, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'était il y a une semaine. Moi, il y a une semaine. Hein. Il s'est passé trop de trucs depuis. Genre, le mec a une vie trépidante. Ta vie, elle est mieux que cette... Non, pas du tout. Mais ça me permet de pouvoir dire que j'ai oublié... Hop hop hop, attention à la corniche. Je suis pas sûr que le cheval ça fasse comme dans Assassin's Creed en fait. Tu sautes, le cheval meurt et toi t'as rien. Je suis pas sûr. Mais bon. Voilà, nous voilà de retour à la ferme. Et l'autre il se prend pour un Yamakasi. Allez.
C'était un imposteur. Jinroku n'était pas un imposteur. Il vous a dit la vérité. Mais tu savais ? Ok. Donc on vient de chasser un mec qui était plutôt sympa en fait. C'était juste un gros mytho. Va-t'en, lâche ! Mais j'ai rien fait. On vient de chasser un mec qui avait rien fait. Qui aurait peut-être éventuellement pu les protéger, hein, quand même. Mais bon. Et j'ai fait. Et moi, je voulais le buter. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, exactement. T'as failli buter un mec. Oui, exactement. Alors, du coup. Un emplacement vide. Ah, le charme de l'ombre. Réduit la vitesse de détection des ennemis de 10%. C'est pas mal ça, dis donc. La tenue. Qu'est-ce qu'on a ? Tenue de voyageur, héros de Tsushima. Oh, moi je veux ma tenue de héros. Hein. De 0 en héros. Hein. Des améliorations ? Alors attends. Trouver des artefacts en suivant le vent directeur augmente de 10% le brouillard de guerre levé sur la carte. Idéal pour les autres. Qu'est-ce qui se passe ? Augmente de 20% le brouillard. Des provisions. Waouh ! 250 boules ! Ah ouais! Ah ouais! Ah, c'est à violence, hein! Ouf! Ah, c'est. Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer ce truc là? Ce truc moche. Le temps que. Hop, je vais aller regarder ce qu'il y a d'autre. Tac, tac, ok. Ah ouais, c'est cher, moi! Je pensais pas que c'était aussi cher, hein! Alors, l'air du vent. Ça a l'air d'être par là. Hein. Je vais regarder sur la carte. Ouais, c'est bon, je me suis mis dans le bon sens. Ok. Salut les clodos. Et je me barre. Hop là. Ouais, ça y est, je commence à faire les cabrioles. Ça va partir en couille très vite. Hein. Pour rentrer dans l'auberge, je voulais monter sur le toit. Ah, ça flamboie là-haut. Hein. Je veux pas foutre la merde. Il a l'air d'y avoir un petit peu de fire. Hein. Allez, on a pas encore trop ragé, moi, je trouve, pour l'instant, mais j'ai vraiment l'impression que ça va venir. Hein. Je me sens pas bien, j'ai pas assez ragé, les gars. Ça va pas, je me sens pas bien. J'ai pas gueulé. Tu bois. Voilà, faut que je me tape tout le tour à la montagne. Ah bah non, je peux pas y aller par là. Oui. Et je sais pas si c'est exactement ça que je devais faire en fait. Comment je fais pour aller là moi? Je voulais grimper là. Ah bah voilà, il y a un chemin. Je suppose que je peux pas faire le Yamakasi comme dans Assassin's Creed, genre faire ça, tu vois. Voilà. Rêve pas, Billy. C'est pas la fête du slip. En plus, t'emporte pas, Billy. Soyez prudent, samouraï. La route est dangereuse. Attention, c'est dangereux. Dartha, c'est affreux. Toi, t'es là. C'est pas si dangereux que ça. がなくてはMerci beaucoup. Enchanté. Donc il faut grimper. Allez. Ah, il faut faire attention à pas se casser la gueule, c'est ça ? Ah non, il y a le feu. Du bon books. Donc, je suppose qu'il va falloir monter par là. Hop.
Ah! Donc là, va falloir sauter, c'est ça? Hop là! Eh! Yamakasi, mon gars! Hop là! Bon, je pense que ça se fait tout seul, hein. Je vais pas avoir grand chose à foutre. Ah, un bois d'if. C'est. On va se poser 2 minutes sur le jeu. Qui est juste magnifique. Ah bah dépêche-toi quand même, parce que ça a l'air d'être du vieux bois tout moisi. Ok. Oh ninja. Ninja. Alors là, il y a un truc pour descendre. Si on descend, parce que ça a l'air tout on fire. Ok. C'est pas très utile de descendre. Tout est magnifique dans ce jeu. La bande son est un petit bijou. Moi, je trouve que pour le moment, tout est sublime. Donc, je regrette vraiment pas d'avoir entendu, d'avoir attendu. Je regrette vraiment pas d'avoir attendu de le prendre sur PS5 comme ça. Au moins, je suis sûr de pas être déçu, quoi. J'aurais été trop déçu de le faire une première fois en version un peu moins belle et après de le finir. Non, j'aurais vraiment été déçu. Là, du coup, pour moi, c'est vraiment goldé là. Hein. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, c'est juste super. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'adore. J'étais en train de me demander s'il y avait encore les commentaires. Du coup, ce soir on a eu du mal à démarrer. Hein. Le chat il a bugué pas mal. Il y a le pauvre Jérémy qui parlait tout seul. J'étais en train de demander. Il était là tout seul. Perso, je vois aucune différence avec la PS4. Bah écoute, tant mieux. Bon, je pense qu'il doit être un peu plus fluide hein, quand même. Mais j'ai pas joué sur les deux. Mais du coup, justement, en fait, je voulais pas. Charmignon. Ah, d'accord. Donc là, on choisit en fait. À 50% de santé ou un djinn inflige des dégâts supplémentaires. Ok. Et je peux pas le mettre là du coup. D'accord. D'accord. Ok. On est frôlé la catastrophe, hein. Alors là on peut redescendre et là on peut continuer à monter. Des fleurs. Un monsieur. Plus rien ne me retient ici, ma famille est morte, ma maison a brûlé, mon espoir est éteint. Vous qui lisez ceci, priez pour Genzo de la forge Komatsu. Adieu. Merde, il est décédé. Ah bah non ça. Ah bah merde, monsieur. Monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé ? Ah bah non, attends. Ah merde, je peux plus retourner de l'autre côté du coup. Parce que je crois que j'ai oublié des trucs. Ah ouais, là ça va être compliqué de retourner de l'autre côté. Ah bah là c'est le décès là. Si je retourne de l'autre côté, c'est le décès qui m'attend. Bon, bah j'espère que j'avais rien d'important. Tant pis. On peut peut-être descendre par là. Regarde, il y a un petit nickel. Des provisions, cadeau, c'est cadeau. Parce que moi, ce que j'aime, c'est comme je suis un ninja cadeau, samouraï cadeau. On va m'appeler samouraï cadeau. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On a pris les provisions. Ensuite, hop. Oh, on fait de la varap quoi. Sérieusement, gars? Alors, qu'est-ce que tu me fais faire? D'accord. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, est-ce qu'on va retourner. Est-ce qu'on va retourner voir la prêtresse pour lui dire qu'on a réussi un peu, Bignou?
Ou c'est bon en fait. Ah, moi je veux aller au onsen. Je vais aller refaire trempette hein. C'est goldé en plus hein. Je voudrais offrir à toutes les viewers s'il y en a une deuxième paire de miches hein. Tout droit. Bon. Le vent il souffle bizarrement des fois quand même. C'est pas toujours évident de le suivre. Oh, il y a un cerf. Ouais, il va tellement trop vite pour moi. Je pense que celui-là faudra se le faire à l'arc. Ouais, faudra avoir des sioux d'abord. À l'arc. C'est celui de tout à l'heure en fait. Je suis revenu au même, non? J'ai bien l'impression. Oh, elle est trempe tout, elle est pruno. Ouais, c'est le même que tout à l'heure. Ok. Je pense que c'est plus sûrement pour récupérer de la vie. Celui-là, tu l'as déjà. Donc pas trop d'intérêt d'y retourner. Ok, bon on l'a quand même fait. Hein. Ouais, c'est pas que je voulais vous contrarier, mais j'avais un doute et comme le doute m'habite, du coup j'ai dégainé. Alors, on va aller par là. Ça manque un peu de combat quand même. Donc tout droit. Qu'est-ce qu'il y a ? Méchant ? J'espère bien. Parce que je me fais un peu chier là, depuis tout à l'heure. Y'a personne dans le village. C'est pas le truc qu'on a dézingué tout à l'heure, ça ? Ou dans la première partie du jeu qu'on avait faite ? Hop, 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 hop. Doucement Billy. Parce que ça sent la cheville brisée à plein nez. Voilà. Je trouve qu'il est relativement confiant le djinn. Hein. C'est moi qui le contrôle, mais le mec saute quand même. Hein. Moi je serais lui, je ferais attention. Hein. Je me ferais pas confiance. Alors, mouvement souffle. En Arizona. Un état d'Amérique dans lequel. Je vous laisse terminer dans le chat. On est à 100 mètres de quelque chose. Tirez plus vite à cheval. Ouais, c'est vrai. Parlez à l'homme dans le besoin. Oui. Suis le piaf. Ah, merde. Du coup, je suis allé direct sur le bonhomme, j'ai pas suivi le piaf. Quand tu vois un oiseau jaune, suis-le. Ah bah là, il y avait un monsieur, là, en fait. Donc j'ai subi... Je suis allé au monsieur. Bah ouais, c'est... Alors, et du coup, le pigeon, il est perdu? Ou il faut, si je reviens en arrière, il va être de nouveau à sa place? Je sais pas, c'était à peu près par là qu'il était, le petit oiseau, là. Ah, il y a peut-être un truc là, non? Il y a une petite fouette là. D'accord. Bon, je pense que c'est baisé pour l'oiseau. Hein. Il n'a pas l'air d'être là. Hein. Bon, je dirais que le vent va par là. Non, si tu retournes dans la zone, il sera là. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on retourne par là-bas. Parce qu'il était par là, en fait. Ils sont décédés? Ah non. Ils font du dos. Alors, moi je sais pas, il me semblait l'avoir vu dans les parages. Hein. Fais la quête, le piaf, et le piaf il revient. Et j'ai l'impression que je l'entends en fait. Je l'entends mais je le vois pas. Je déteste ça. Pigeon! Viens là, machin. Hop. Allez. En avant. Pigeon. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Regarde. Je te dérange.
Et pousse-toi! Oh! D'accord, il y a un mec là. Il m'a vu? Ouais, je crois qu'il m'a vu. Mais il va me faire chier l'oiseau, le putain de bourrin. Il parle quelle langue lui? Bon. C'est pas que t'es chiant toi, mais t'es juste en plein milieu quoi. Oh là là, ça, ah, ça, ça par contre. Casse-toi. Casse-toi. Voilà. Je puisse faire ce que j'ai à faire. Je sais pas par quel bout le prendre en fait. Donc on va le prendre à l'arrache. Totsukoi, assassin. Voilà. Assassin. Alors, il y a un mec là-bas, il y a un mec au bord de l'eau. Il y en a un autre là-bas. Il a l'air tout seul celui-là. Ah oh ouais, l'autre chien vient de te faire un de ses dérapages. Alors, il y a un mec au coin du feu. Il y en a un là derrière la porte. Il y en a deux au coin du feu là-bas. Il y en a qu'un seul là-bas. Ok. Ah merde, il m'a vu. Oups. Confrontation. Ah bah voilà, c'est ça que j'attendais. Ah, ça va être pratique ça. Taïkultik. Oi. Toi. Allez, on fait tout la parade, on a dit hein. Ouais. Et voilà. Je les aime pas les gros en fait. Ceux avec le marteau. Là. Wow. Attention, derrière toi, c'est affreux. Ah putain, il y en a un à l'arc derrière. On va bien voir les tout. Il est où celui à l'arc? Tout là-bas? Sérieusement? C'est celui qui est tout là-bas là? Qui me tire aux flèches sur la gueule? Il y en a un là? Ah non, d'accord, il est là. Ouais, c'est ça. T'as rêvé, Billy. On peut les parader, les mammouths là? Une preuve. Tu as une preuve de ce que tu avances? Non, tu n'en as pas. C'est drôle. C'est moi qui l'ai placé là, mais je suis pas obligé de tout lui dire non plus. Il voit bien qu'il est en plein milieu du chemin quand même, bordel. Possible ça. Encore un truc qui sert à rien. Ah, mais alors, donc apparemment, tu étais en train de chercher quelqu'un. Il est pas là. Ok.
Ah, les traces de pas. Je suppose qu'il faut que je suive encore les traces de pas. Ouais, pour l'instant, c'est les mêmes. Ah, là, il y a un truc. Hop. Du lin, encore une... L'attaque a été soudaine. Okay. Là-bas, il y a des traces de sang. Donc, je suppose que par là, il va y avoir des indices. Je le place là, et quand il voit qu'il gêne, il peut se pousser aussi. Sérieusement. Donc là, on a traîné jusqu'à la rivière, le pauvre. Donc ça sent le cadavre à un moment. Hein. Ah, petit bonhomme. Ah, donc il y a un ah. Bonjour, je vais apporter de très mauvaises nouvelles. Il n'y a pas quelqu'un là-bas ? Ah bah c'est lui. Désolé jeune homme, mais je crois que tu vas pouvoir te suicider. J'ai bien peur que non. Tu t'es enfui. Tu les as abandonnés. Voilà, exactement. C'est ça. J'aurais dû mourir moi aussi. Tu peux toujours le faire. Un petit coup de sable derrière la nuque. C'est fini. Et moi, ça me fait un petit effet. Ou jette-toi du pont. C'est au choix. C'est ça, parce que comme ils n'ont pas voulu leur donner de nom, ils ont tous appelé autochtones. Quoi. C'est rigolo, mais c'est salaud. Oh, un petit point d'XPems. Votre légende grandit. Je suis le samouraï errant. C'est bien ça. On aime beaucoup. Voilà. Une nouvelle arme fantôme débloquée. Ah, ça c'est bien ça. Utilisez 1 et R1 pour lancer 2 kunai vers lui. Apparemment, j'ai pas trop le choix. Lancer un kunai supplémentaire. Maintenez croix pour un moment. D'accord. Alors, chaîne de confrontation. Effectue une roulade en touchant le sol après une chute. Ne veut pas vous blesser. Ouais. Écoute lointaine, de concentration. Non. Oh, la tabasse. Hein. Tout pour la bagarre. Hein. Tout pour la bagarre. Ah voilà, arme projectile. Le charme de bien-être. Santé restaurée par des soins, plus 7%. Alors, du coup, je suppose qu'on doit pouvoir faire ça. Voilà. Voir les améliorations. Peau de prédateur. Ah, faut que je tue des ours. Ok. Charme de bien-être. Ok. Et 10 de lin. Très bien. Ça, c'est fait. Faut que j'arrête de me foutre tout le temps accroupi. En fait, c'est parce que j'appuie sur pavé numérique pour ouvrir le biniou et ça n'a absolument rien à voir. Lieu à découvrir, voyage rapide. Bah écoute, hop, on va faire ça et on va voyager rapide. Ah, c'est cool, il n'y a pas besoin d'appuyer. Ah, ça, c'est génial. Si je comprends bien, le vent il va par là. Allez. Hop. C'est quoi ça? Hop. On a affiché un truc là. Ah, il y a des gens. Confrontation. Ouais, fais la confrontation avec le mec à l'arc, c'est très bien. Et merde. Youpa. J'ai relâché un poil vite en fait. Eh oui, je suis là. Cache-cache. Youpa là. Ah, l'outil m'a mis un coup de sagaie dans le bide. Ne t'enfuis pas, c'est pas la peine. Tu vas où là?
Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que la mort et ton destin. Un champ de fleurs là-bas. On va en récupérer quelques-unes. Il y a des fleurs qu'on récupère et il y a des fleurs qu'on... Rien. Ah, il y a un renard. Oh, il y a un renard. Oui, allez, je te suis. Petite créature des bois. Putain, comment il trace? Il va me semer. Ah non, il m'attend. Oh, tu es bien aimable. Ah putain, il y a encore un ours. Ah merde, il y a des gens. C'est des méchants, hein? Je peux les tuer. Alors. Ok. C'est des méchants. Ouais. Hop. C'est moi le plus dangereux, tu crois? Il y a un ours, hein, de l'autre côté. Le gagnant, quand même. Oh, oh la vache! Voilà, Max qui m'a mis. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Il m'a bouffé! Il m'a bouffé l'enculé! Enculé d'ours! Il m'a désossé, putain de nom! Du coup. Bon, écoute, tant pis. Hein. Ah la saloperie! Ah, et Booba, il m'a fait mal. Hein. Alors, sanctuaire d'Inari. Pour débloquer un emplacement de Charms Mine. Merci, petit. Oui, merci, Bobby. Oh, c'est trop mignon. Fais une petite gratouille au renard. Heureusement que le chien s'est endormi. Il serait le mieux. Alors, bon bah on est décédé sur un ours. Putain d'ours. Par contre il repop pas. Genre, c'est dommage ça hein. Quand tu te fais tuer par une bestiole ou. Elle repop. Enfin, elle repop pas quoi. Parce que sinon ça veut dire qu'il était mort et là je l'ai un peu mauvaise quand même. Ça vibre, donc c'est qu'il y a quelque chose dans le coin. Ah, il n'y a pas de vent dans la forêt. Massacre les boules dans la taverne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tanière du renard terminée. Écoute, on va retourner voir le marchand. Ah, arme action rapide, projectile consommant. D'accord. Ok. D'accord. Ok, tu peux lui vendre. Non, je suis pas certain que lui vendre des trucs ce soit. Ouais, donc là en fait je peux lui acheter par exemple des kunai, du bois ou du bambou. Ok. Non, moi ce que je voulais c'était retrouver une espèce de marchand. Guy Marchand. Destiné. Kit de sabre. Ah, j'ai toujours pas assez de fleurs. J'en ai que 12. Ok. Donc, pour l'instant, c'est pas encore la folie. Ah oui, je m'en vais. N'allez pas dans la forêt de Kashi. J'en viens, en fait. J'en viens, il y a 2 minutes. Peut-être me prévenir avant, la prochaine fois. Très cool. Très cool. Carte mise à jour. Alors. Ah! Et on peut pas se faire. Ah, si, bah oui, si, on peut faire un voyage rapide. Ah, mais par contre, ça c'est vraiment le truc cool. C'est un vrai voyage rapide, quoi. Ah putain, j'ai vraiment du mal.
On va faire un tour par l'autre sens. Par là. Et ton cheval, du con. Ouais, mais j'ai un ami à moi, il fait tout à pied. Alors du coup, je pense que j'ai pris sa mauvaise habitude. N'est-ce pas? Et du coup, à force, bah moi aussi, maintenant, je fais tout à pied. Tu vois pas ce que je veux dire? Moi je vois très bien ce que je veux dire. Ah, il y a des gens, ils sont pendus quand même. C'est pas très respectueux des grands-parents, ça quand même. Ah, c'est pas cool, hein. Oups. Ah, mais il est là, l'oiseau. Merde, il s'est barré. Et cet oiseau, à chaque fois que je le vois, je parle à quelqu'un, et du coup après je ne vois pas où il est parti. C'est infernal. Ça fait deux fois que je le croise, à chaque fois qu'il y a un mec derrière, je parle au mec, et du coup je vais avoir perdu le piaf. Sérieusement. On le voit, on le voit plus. On voit plus, on voit. On voit, on voit. Inspecter les lieux. Très bien. Chercher les esprits. Non, j'ai peur. Je suppose que la forêt c'est là. Non, non, c'est là. Suivez les petites lucioles. Je pense qu'il fallait suivre les lucioles. Hein. Pas forcément. Des lucioles. Écoute, je suis les lucioles, hein. Ça m'a l'air d'être le. Il y a un cadeau là. Il y a encore des lucioles. C'est qu'il faudrait pas se perdre dans la forêt. C'est pas évident à suivre, hein. Ah bah ouais. De toute façon, on marche sur le chemin. Voilà. C'est pas très très... Ouais, bah je crois qu'on est grillé. Ouais. Wow. Tu te calmes. Tu te calmes, j'ai dit. Wow, 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 wow. Kozoi ! Qui sera le prochain ? Wow, ouais, il y a un putain d'archer. Oh, eh ! Le mec il m'a mis deux coups quoi. Et puis je me suis bouffé l'arme, tout va bien. Y'a rien qui va mal, hein. Ouais, y'en a un là-haut. Ah mais il est tourné dans le mauvais sens, je suis con. Pas très discret tout ça, hein.
sans vouloir la ramener. Ah merde, je l'avais pas vu l'autre là. La max hein. Oh, il m'a enculé des vermes. Voilà. Il est où le dernier? What? Attends. Parce qu'ils sont sûrement des trucs. Encore que je gère les distances. J'ai encore un souci au niveau au moment du combat avec les distances en fait. Et quand ils sont un peu trop nombreux. Le piaf ! Mais il va trop vite ! Je vois déjà plus ! Tu peux pas lui courir après ? Par l'enfer. Masaka ! で置いてとは。これからは高校の森を汚す悪し賊がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを受けることになり、堺家の家族が怨霊の頼みを聞いた。そして森から賊を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。 Bon, c'est bien, on sera mort plein de fois. En fait, c'est dommage que il n'y ait pas une sorte, je dis pas qu'il, mais une sorte de mode d'entraînement en fait où on peut vraiment bombarder en fait, s'enchaîner, peut-être une mode arène ou ce genre de truc là pour pouvoir vraiment. Pouvoir vraiment s'entraîner à contrer quoi. Alors qu'est-ce qu'on a? Charme défense mineure. Éliminer les ennemis restaure une quantité mineure de santé. Les attaques ont 5% d'infliger 2 fois plus de dégâts. 5%, c'est ridicule. 5% c'est ridicule, on va pas se mentir. Tu 5% ou rien, c'est pareil, hein. On va pas se mentir. Hein. Non. Starto. Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc. Voilà, on a encore un petit poids de pète là. On va faire le duo à découvrir là-bas et puis après on arrêtera là, je pense qu'il va être 21h. Voilà. Allez. Hop. Oup. Et moi, je vais direct à la falaise, quoi. Pardon. Ah oui, un genre d'essai. C'est juste pour te rappeler que tu dois faire attention quand tu marches. Donc c'est un cheval campant. On y va. Alors, la cacarte. Ah ouais, mais attends, il y a la falaise là. Comment je fais pour...
Ah non, pas salé. Comme il fait nuit, j'avais mal. Alors, est-ce qu'on est encore loin? Non, c'est juste là. Alors, une petite falaise là. Est-ce qu'il va falloir... Non, c'est pas à ça, tu t'es entraîné avec ton oncle. Le reste appartient au passé, connard. Ah bah bravo! T'imagines? Moi je suis pas du tout entraîné. Hein. Ah, puis l'entraînement avec ton oncle, c'est assez rapide. Hein. J'avoue, ouais. Si je pouvais... Ah, il y a des trucs là. Oh non. Et le seul truc que je voulais vraiment, il l'a pas pris, quoi. Si ? Il l'a pris ? Ah bah cool. J'ai pas l'impression qu'il avait ramassé la fleur. Mais remonte pas sur le cheval. Les gens, bonjour les gens. J'ai c'est 15 après pour. Bushitsuke desu ga, zuibun to otsukare no go yousu. Karada wa yasumete irasshaimasu? Iksa ga tsuzuite oru kara na. Tashika ni. Je suis fait bouffer par un ours, je suis fait buter par des brigands fantômes. Tu ne croirais pas si je te racontais la moitié de ce qui m'est arrivé. Oui, voilà, c'est ça. Finissons avec un cul. C'est exactement ça. Finissons avec un cul. On va finir. Elle m'a dit qu'il y avait des sources pas loin, donc je pense que c'est sur la carte. Puis c'est Camille, vous protégez, ma mère. Moi. Je suppose que là-haut, faut pas y aller. On va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Récit de machin. Ouais, il y a encore des trucs à explorer. Hein. J'ai pas envie de d'aller tout de suite. Quoique, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. J'ai envie d'aller voir là d'abord. Et après, on arrêtera. Ouais. Cherche. Carrément, cherche. Mais t'es méchant. Méchant, monsieur. Ça va parler. Tu dis, ça parle. Va ton chemin. J'ai. Va ton chemin. À 630 mètres, on va pas les faire apprendre. Tu m'excuseras, mais là, on est un peu près. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, le vent? Le vent, il dit, ça parle. Il est bourré le vent encore, c'est pas possible. C'est le vent qui picole. Ah, bravo. Est-ce qu'on peut... Ah, oula, c'est trop profond pour le... pour Jolly Jumper. Dégainer, rengainer. Pourquoi il veut dégainer? Il y avait quoi? Il y avait des bagarres? Il y avait de la bagarre. Donc il nous dit d'aller. Mais je peux pas aller là-bas. C'est au milieu du lac. Allez, on y va. Ah, confrontation. Ouais, faut pas que je le loupe comme tout à l'heure. Hein. Mais on voit pas, c'est nul. Non, là c'est nul. L'autre il a sa lance dans les fleurs. Super! Ah bah génial!
ça pue du cul, vraiment. Ah, tu t'enfuis, hein, petite garce. Viens là. Vous êtes trois contre un et c'est vous qui vous enfuyez, quand même. Foutre la merde. Bande de tarlouses. Ah non, on a plus le droit de dire ça. Désolé, pardon. Pardon, que dalle. Bon, on a des... Ah, le pigeon. Je veux ce pigeon. Attrapez ce pigeon. Et cours, Billy. T'essouffle pas, il est là. Non, non. Ah, il a trouvé un truc. Ah. Composer un haïku. Ok. On va finir sur un truc nouveau. C'est trop cool. Réflexion sur le refus. Utilisé pour regarder autour. D'accord. Ah. Temple doré. Est-ce que ça c'est l'équivalent du comment? Quand vous êtes dans Assassin's Creed avec les points de vue très haut. Koganedera. Le Wookiees. Ah non, pas celui-là. C'est pas le Wookiisme, c'est le Wookiees. Bandeau de refuge. Un temple doré plongé dans l'ombre du temps. Solide, nous tenons. Cool. Ça veut dire que si j'avais pris d'autres points, on aurait eu un autre haïku avec un autre item ? Non, c'est moche. Allez, on va se remettre plutôt soft pour la fin. Activité. Tenter des activités. Ah, ça c'est cool. Ok, éléments cosmétiques. D'accord. Et ben voilà, on va finir sur un charmant haïku. Hop. Voilà. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on est encore loin du truc? Non, on est juste à côté. Hein. On va aller jusqu'au bout quand même. On va au moins aller jusqu'à cette espèce de ville. Oh, c'est pas une fleur que je vois là-bas? C'est pas une fleur ça? Mais bien sûr que si, c'est une fleur! Putain, il va me manquer encore une quoi. C'est une chier. J'ai pas assez de détermination. On me le dit tout le temps, ça, j'étais pas assez déterminé. Il est où mon bourrin? D'accord. Donc l'autre, il a décidé de faire la grève. Cheval en grève. Ah. Ici. Wow. Eh hey, Booba, reste tranquille. Oh putain, ils sont plusieurs. Salut. Je m'enfuis. Ah quoi, avec les coups d'œil, chasser les ours, c'est peut-être mieux, non? Tiens, par exemple, un aigle. On va finir sur une mort stupide et ridicule. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense? Allez, on en pense. Donc c'est... Oh, le sang Clivouze. Oh, il me l'a déchiré.
Viens là, sale bâtard. Ouais, ouais. Mec, il s'enfuit maintenant. Sérieusement? Il m'a mis un coup de défense dans les omoplates et après il s'enfuit. Ouais. Ouais. Allez, viens. T'es coincé. J'aurais dû en profiter, mais quel con. Pardon? Pardon? Quoi? Viens ici, espèce de jambon des forêts. Je sais pas si le chasser au sabre, c'est l'idée du siècle. Ouais, voilà une flower. Par contre, lui, ça l'a pas empêché de m'embrocher, visiblement. Bon, on va continuer. Parce qu'on est presque, en fait. On va s'arrêter là. Je crois qu'il y a une fleur là-bas. Ouais, il y a une fleur. Donc le sanglier, il t'embroche et après il s'enfuit, quoi. Normal, tranquillou. Hein. Et à la question, pourquoi est-ce que tu te baisses tout le temps? Parce qu'en fait, au lieu d'appuyer sur le bon bouton pour avoir la carte, je me trompe de bouton. Voilà pourquoi. Alors, on a atteint le temple d'or. Trouver le ticket d'or. Ah non, c'est pas ça. Ah merde! D'accord, on peut pas marcher dans le feu. Vous n'avez pas d'arc? J'ai perdu le mien. Si j'en avais un, je vous l'offrirais. On raconte Kishikawa-sensei, il est encore en pied, une belle collection. Apportez-moi un jeune. Dans un parfait état. D'accord. Terminez le récit d'Ishikawa Sensei. Matakoyo. D'accord. Donc on va pouvoir avoir un arc. Alors pour chasser les ours et tous les bignous là, ce sera quand même vachement plus pratique. Hein, déjà. Oh, il y a un petit cadeau. Ah. Buji de atta ka. Nagaoke no genan no Gonjiro to itta na.長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。いくさはまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使いそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。 Au gré de vos victoires. Bah si c'est comme tout à l'heure, la victoire ça va être rapide. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 21h10, on a largement dépassé ce qu'on voulait faire. Ah, guerrier maléfique, un petit casque. Amélioration. D'accord. Visiter le forgeron pour améliorer. Voilà. On aura avancé un petit peu, on a trouvé le temple d'or. Voilà, il y a des améliorations disponibles. Voilà, on aura progressé un peu, on a fait un petit renard supplémentaire. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous ceux qui sont passés encore sur le live. Et, alors, oh, le masque, il est pourri. Merci à tous. Du coup... On se retrouvera mercredi, je pense qu'on fera du Vampire Survivor, je vais vous préparer ça tranquillou. On sera sur PC, voilà, on va changer un peu de machine. Et on se retrouve samedi prochain, 19h30 pour la suite de Ghost of Tsushima Director's Cut. Merci à tous et à la prochaine. Salut à tous.